et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite vidéo sur mes derniers rachats de la semaine. Voilà, j'ai fait quelques achats dont je voulais vous les montrer. Donc tout d'abord, j'ai trouvé chez Leclerc une bougie Yankee Candle. Voilà, comme ceci, donc c'est une moyenne. En fait, il y avait une gondole avec des bougies Yankee Candle. C'est la première fois que j'en vois chez Leclerc. Et il y avait une promotion dessus. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Donc, elles étaient à 15 euros au départ. Et il y avait 1,50 € d'enlevé avec la carte Leclerc. Donc, je l'ai payé 13,50 €. Voilà, cette petite bougie Yankee Candle. Donc, comme vous le savez, je suis une adepte des bougies. J'adore ça. J'en achète beaucoup chez Action. On m'en offre beaucoup et régulièrement. Et là, j'avais vraiment envie de me faire un petit plaisir. Voilà. Hein. Donc là, la senteur, c'est mangue limonade. Elle sent divinement bon. Voilà. Donc voilà, hein, c'est une mèche et c'est la taille moyenne d'une jarre, voilà, tout simplement. Donc je suis vraiment très très contente de cet achat. Donc chez Leclerc, en ce moment, il y en a et avec une réduction. Donc il y avait trois parfums, limonade mangue, il y avait noix de coco et une à la fleur, mais qui sentait pas bon du tout. Enfin, j'aimais pas du coup. Et moi, je suis plus sucrée, etc., vanille, noix de coco et tout. Donc, c'est vrai que je me suis empressée de prendre celle-ci. Ensuite, je suis allée chez ProMode et j'ai acheté une robe, donc une robe d'été. Donc, c'est bien parce que le soleil commence à réapparaître. Donc, j'en avais déjà acheté une l'année dernière et dans ces robes-là, on est vraiment très très bien. C'est des robes longues, fluides et j'ai flashé sur cette couleur, donc la couleur verte. J'aime vraiment beaucoup cette couleur en ce moment. Je suis attirée vers le vert. Donc, voilà, c'est une robe toute simple. Donc là, il y a des petits, il y a trois petits boutons et puis des petites, un petit ornement comme ça dessus avec des bretelles qui sont réglables. Donc ça, c'est très très bien et elle est longue du coup. Elle arrive en fait au niveau des chevilles, hein, voilà, un petit peu au niveau des chemises, pardon. Donc il n'y a pas besoin de faire un ourlet contrairement à celle de l'année dernière où j'avais été obligée de faire un ourlet. Donc là, je l'avais prise au départ en taille 38 et finalement, je suis allée la changer en taille 36 parce qu'elle me baillait vraiment au niveau du haut. J'ai pas beaucoup de poitrine, donc du coup, ça faisait pas beau du tout. Donc j'ai pris la taille 36. Et cette jolie petite robe, elle vaut 19,95 €. Voilà. Donc chez ProMode, donc il y en a de toutes les couleurs, il y en a des noirs, il y en a donc des vertes, il y en a des un petit peu bariolées, etc. Il y en a une orange, une rose, mais moi j'ai vraiment flashé sur cette couleur et j'aime vraiment beaucoup cette couleur verte qui je trouve me va plutôt pas mal. Voilà, voilà pour ce petit achat de cette semaine. Donc il y en a aussi une bleue. Un petit peu bleu avec des ramages moutarde. Je me tâte pour le mois prochain. J'aime vraiment bien ces robes. On est vraiment très très à l'aise dedans. Ensuite, je suis passée chez Jennifer. Alors, c'est très très rare que j'achète des vêtements chez Jennifer. Mon amie avait besoin d'y aller pour faire un cadeau. Et du coup, j'ai regardé un petit peu les pantalons. Et la semaine dernière, en fait, j'ai craqué un pantalon de chez Pinky noir que j'aime beaucoup. Et je me suis dit, tiens, je vais tester ceux de Jennifer. Et j'ai pris en fait celui-ci. Donc, ils appellent ça un jigging. Mais il y a quand même des passants pour la ceinture et des boutons. Donc, ils sont très, très extensibles et couleur noire, vraiment très, très noire. On est vraiment super bien dedans, ces jiggings-là. Donc, par contre, j'ai essayé le 38, il m'allait. Mais j'avais l'impression d'être quand même un petit peu serrée. Donc, j'ai pris une taille 40. À savoir que Jennifer, bah voilà, hein, c'est... des tailles qui taillent pas forcément bien, mais moi j'aime bien être à l'aise dans les bas et c'est vrai que là j'ai pris la taille 40 et je me sentais beaucoup beaucoup mieux. Donc voilà pour cet achat, donc j'ai juste pris ça, un jigging, et franchement je l'ai pas payé très cher, je l'ai payé 15,99 €. Donc ça change des push-ups de chez Pinky que je prends tout le temps. Donc voilà. Il est vraiment très très bien, franchement, et il est très très extensible en fait, et on est vraiment super bien dedans. Donc voilà pour Jennifer. Et ensuite,
Mon ami est passé chez Nocibé et j'avais parlé d'une brume que j'avais vue dans la vidéo de Adoration, donc My Charm Beauty. Elle parlait de cette brume à l'ananas et à la noix de coco. Et du coup, elle me l'a ramenée. Donc, c'est les délices de chez Nocibé. Parfum ananas coco, brume parfumée, corps et cheveux. Donc voilà pour cette brume de 150 millilitres. L'odeur, ben, a tombé quoi. Moi qui adore l'ananas et la noix de coco. Alors, on sent un petit peu plus la coco que l'ananas. Mais franchement, ça sent super bon. Donc voilà, les délices de chez Nocibé. Elle est vraiment tip top. Et du coup, elle m'a pris avec 4 petits galets effervescents pour le bain. Donc, un à la macaron framboise. Un pomme d'amour. Donc elle sait que j'adore les produits pour le bain. Hein. Un à la barbe à papa. Et un autre senteur tendre coco. Donc à la noix de coco. Voilà. Donc c'était tout pour ces petits achats Nocibé qui font plaisir. Donc voilà ces petits galets de bain de chez Nocibé que j'adore. Voilà, ils sont vraiment tip top ces petits galets de bain. Et les senteurs sont vraiment très très agréables. Voilà, c'était tout pour mes derniers achats de la semaine et les petits cadeaux. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker et à commenter. Je vous réponds à chaque fois et ça fait super plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!